Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Comme vous voyez, je vous filme une vidéo toujours encore en mode action-réaction. Je la ferai en plusieurs parties, comme ça au moins vous l'aurez. Bon, j'ai reçu un colis que j'ai commandé, évidemment. Donc c'est ce colis. Donc, dans cet emballage, ce sont des t-shirts qu'une copine d'enfance, une voisine, a ouvert son site depuis un petit moment et ça s'appelle les t-shirts de Cathy, les filles. Donc voilà, comme je dis, il faut soutenir les jeunes, je sais pas comment on dit ça, mais bon, les petits jeunes qui ouvrent leur commerce. Donc voilà. Force, force, ok? Force. Pour leur donner cette force. Donc j'ai reçu le truc dans un petit pochon comme ça. Donc, moi, perso, j'ai fait un t-shirt. J'ai pris blanc. Elle m'a dit que ça taillait petit. Donc, j'ai testé deux. J'ai pris L et M. Donc, celui-là, c'est M, si je ne me trompe pas. Et j'ai écrit Crépy Love dessus. Sauf que j'ai, il y a eu une petite erreur. C'est moi que je me suis trompée. J'aurais dû lui dire, c'est Crépy Love, pas honte. Mais c'est pas grave. Par contre, vous pouvez mettre aussi Team Crépy Love. Et les t-shirts comme ça, avec les motifs, si je ne me trompe pas, c'est 13,99 euros. En tout cas, ça fait 13 euros et quelqu'un, hein, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc voilà. Ensuite, celui-là, c'est 15 euros. Donc c'est écrit dessus, bisous de loin, au cas où vous le voyez à l'envers. Donc voilà. Donc j'ai pris taille L. Donc les enfants, c'est vraiment un souvenir pour tout ce qui nous est arrivé. C'est un souvenir, c'est beaucoup dire, mais bon, voilà. C'est pour ne pas oublier. D'accord? Bisous de loin. Je trouve ça trop sympa et j'adore la couleur. Ensuite, on a une deuxième pochon. C'est un pochon ou une pochon? Donc là, j'ai les petites cartes qu'elle a mis dedans, qui sont assez sympas, pour dire comment qu'il faut les laver. Donc je vais mettre mes lunettes. Donc, lavage à main à 40 degrés maximum et à l'envers. Repassage à l'envers aussi. Bon, ça c'est logique. Pour profiter de tes t-shirts le plus longtemps possible. OK. Donc, voilà. Ensuite, il y a celui-là qui est sympa aussi. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire sympa. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Donc, j'ai commandé un t-shirt comme ça. Donc, si tu n'as pas entendu parler de ça, c'est que tu vis dans une grotte. Donc, taille L, comme vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc, ça fait comme ça ici, jusqu'à là. OK? Donc, tout dépend comment, si tu as envie d'être serré comme une saucisse ou si tu as envie d'être large. Et il y a celui-là aussi que j'adore, sans sortir, sans sortir. D'accord? Donc voilà. Sans sortir, sans sortir. Derrière, il n'y a rien, les enfants. Et je trouve ça super. Donc les frais de port pour les quatre produits, ça m'a fait 5,26 €. Donc je pense, des fois, peut-être ça dépend des frais. Donc les t-shirts de Cathy, si j'arrive à mettre le lien en commentaire, je le mettrai. Mais je ne sais pas si j'arriverai. D'accord? Donc voilà, les enfants. Donc donnez-lui une petite force. Donc j'ai payé. Hein. C'est pas. J'ai pas. C'est gratuit, c'est pas un partenariat, mais si vous voulez, et vous pouvez faire vos motifs, hein. Si vous avez envie de mettre, si votre voisine vous surveille et vous avez envie de mettre, vas-y, c'est moi, tu peux me regarder, mais tu écriras ça sur ton t-shirt, elle te le mettra, d'accord? Si tu as envie de dire parle à ma main, ok, mais tu mettras parle à ma main à ta voisine, ok? Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais pas des, je pense pas qu'elle met des insultes. Hein. Mais bon, vous mettez ce que vous voulez. Et vous lui envoyez ça par mail, comme vous voulez. Donc voilà. On va continuer avec les bons. Comment ça s'appelle? Les bons que les magasins vous donnent quand vous consommez chez eux à la fin ou tous les 6 mois. J'ai reçu un chèque de eux là. Ça coûte la peau des fesses. Donc c'est Mélanie qui achète chez eux, pas moi. Moi, c'est trop cher. Donc, je ne pouvais rien acheter avec les 6 euros et quelques. Donc, j'ai pris une paire de chaussettes pour Mélanie.
Donc voilà, le truc qui coûte, regardez, 8 euros. Tu crois que je vais acheter une paire de chaussettes 8 euros? Donc comme c'était 6 euros et quelques, donc j'ai payé 1,80 € pour l'avoir. Donc je vais le donner à Mélanie. En plus, il n'y avait pas le choix, il n'y avait que sa comme pointure. C'était quoi encore la pointure? 41, 46. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé Scott aussi parce que j'avais un bon d'achat de. Enfin, un chèque de combien? 1 euro? Non, 5 euros et quelques. Et j'ai acheté des lacets parce que c'est Scott, c'est soit des chaussures, soit des trucs qui coûtent cher, quoi. Donc j'ai acheté des lacets qui coûtent 3 euros, celui-là. 3 euros. Et j'ai acheté. Attends, je vais vous montrer. Ces lacets noirs Converse que j'ai rajouté sur mes paires de chaussures qui coûtent, je crois, 2,50 €. Donc voilà, les enfants. Donc je trouve ça sympa. Donc voilà, au lieu de perdre mes sous, moi je vais acheter quand même. Tu comprends? Tu connais Creepy Love par honte. Ok. Donc je ne sais pas quelle heure il est. Je dois aller travailler. Ah oui, 10h20. Ben, c'est l'heure de partir. Je finirai la vidéo après les enfants. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ou à ce soir. Attends, c'est dommage. Hein? J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais j'y vais. Bye! Coucou les filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien les enfants, donc moi ça va. Donc là je vais vous filmer une vidéo sur quelques produits que j'ai achetés, donc voilà. Et deux cadeaux que j'ai reçus de mes filles, donc voilà. Donc on va commencer par quoi? On va commencer et j'espère que vous avez passé une bonne fête des mères. Hein. Et je remercie tout le monde, anciens et nouveaux abonnés, ok? Donc premier cadeau que je vais vous montrer, déjà je vais vous montrer juste les deux cadeaux. Pour finir avec ça, c'est moi qui ai choisi. Donc ce sac là, voilà, que j'ai acheté chez comment ça s'appelle, Vib. Bon, j'ai un problème avec le sac. J'adore mon sac, hein. Je l'ai utilisé une fois, d'accord. On n'a pas fait de grillade, il n'y avait pas de fumeur et le sac sent la cigarette comme jamais. Et je ne l'ai pas senti, j'ai pas fait attention à ça. C'est quand j'ai voulu le prendre pour vous montrer que j'ai senti. Ah, ça sent la cigarette. Donc tout à l'heure, je vais aller dans le magasin. Une semaine après, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais c'est pas grave, pour demander. Donc, et j'ai eu moins 30% dessus, puisque vous savez, je trafique. Hein. Je ne voulais pas que les filles paient cher. Voilà. Et avec les moins 30%. Avec les moins 30%, il fallait acheter deux produits. Donc, il fallait acheter deux produits. Donc, j'ai acheté ce masque qui coûte 4,99 €. Donc, comme vous voyez. Et j'ai pris deux petites sacoches comme ceci à 1 euro. Donc, les sacoches étaient à 12,99 €. Je l'ai eu à 1 euro. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris une pour Bibi. Donc à 1 euro, comme vous voyez, j'en ai pris pour Bibi et je suis retournée reprendre pour une de mes nièces. Et quand la vendeuse m'a vue, elle m'a dit, oh c'est mignon, vous l'avez pris où? J'ai dit là 1 euro, elle m'a dit, ah mais j'irai chercher ta. J'ai dit, il n'y en a plus, j'ai tout pris. Donc voilà les enfants, donc à 1 euro, donc on ne va pas se compliquer la vie. Et la matière est sympa. Attends, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc c'est tout léger. Mais bon, ça fait un petit sac en plus. Moi, je l'ai acheté, c'est pour le boulot. Donc, je vais vous montrer le masque. Et du coup, ça devait me faire 45 euros. 45, 46, 47 euros. Et au final, moins les 30%, ça m'a fait 33 euros. Donc, voilà. Il est super épais. Donc, voilà le masque. Le masque. Donc, voilà. Donc, voilà, le masque se passe sans bon. Il n'y a pas de mauvaise odeur comme le sac. Donc, voilà. Ensuite. J'ai été chez Noz, les filles, et j'ai acheté une robe. Pourquoi j'ai acheté une robe? La robe me plaît. Et la robe paraît léger. Une robe légère, du moins. Donc, voici la robe. Vous allez dire, c'est pas trop mon style, mais j'ai envie d'essayer. Regardez comment c'est. Et elle n'est pas courte du tout. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais l'essayer et je vous dirai qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et j'ai payé ça combien? 5,99 €. Donc voilà.
Donc, je vais mettre mes lunettes pour vous voir un peu. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça chez Noz pour mon jardin. On va dire mon jardin à 1,49 €. Bon, c'est plus facile à remplir. Et puis, ouh, au moins, je vise bien le pied du produit que je vais arroser. Ensuite, j'ai acheté ça. Je ne me rappelle plus le prix. Hein, 1 €. Enfin, j'ai acheté ça aussi chez Noz. Donc, voilà, c'est du myrrhe. Et c'est à la pomme vinaigre. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des pâtes à 80, à 59 centimes. Donc c'est des penne, toujours chez Noz. J'ai acheté ceci aussi chez Noz à 99 centimes. Vous savez c'est quoi? C'est un truc pour les appareils dentaires. Oui, j'ai un appareil dentaire des enfants, 51 ans. Voilà. On met ça à tout âge. Voilà, ma mère m'avait déjà offert un, mais j'ai racheté un autre, je le trouvais sympa. Et il y a la grille comme ça. Donc pour 99 centimes. Ils en vendent aussi chez Action, mais je préfère ces modèles-là. Action, elle existe en orange. Donc voilà les enfants. Ensuite, on fait le tour. Hein. J'ai acheté, attends, j'ai acheté ça, c'est nous. Oh my goodness! Ça chez nous, c'est quoi ça? C'est un produit pour appareil. C'est écrit dessus. Prothèse borstel. Brosse pour dent. Pour prothèse. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Donc je pense que c'est pour appareil dentaire. Hein. Regardez comment c'est. Le truc coûte 99 centimes. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore testé. Donc si vous voulez que je teste en vidéo, vous me dites. Oh my god. My god. J'ai trouvé aussi une brosse pour légumes. Chez Noz à 99 centimes. Donc, c'est pour laver vos légumes. Donc, voilà. La matière est comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai acheté. Là, on saute Noz à Lidl. J'ai acheté ces deux produits chez Lidl. OK. Donc, c'est ça en premier. Ça, c'était Nanou qui avait acheté ça. Et au final, je l'ai testé. Ça sent trop bon. Donc là, c'est un gel lavant doux, nettoyant, en douceur pour la peau nette, pour une peau nette et fraîche, pour peau sensible et mixte. Celui-là, c'est un gel lavant exfoliant quotidien, nettoyant en profondeur pour les grains de peau affinés. Donc pour peau normale et mixte aussi. Donc voilà les deux produits. Et ça coûte 1,69 € un truc comme ça. J'ai regardé l'application Yuka, ça doit être 79 à 89. Franchement, je n'ai pas encore testé celui-là. J'ai déjà testé celui-là, ça sent trop bon. Et c'est agréable sur la peau. Donc voilà. Donc vous allez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ça. Mais on a deux Lidl ici à Saint-Malo. Donc, il y en a seulement dans un, c'est de celui de à côté de Leclerc. Ensuite, on retourne chez Noz. Vous avez dit celle-là, elle croit qu'elle a un jardin. Donc toujours pour ma famille. Petit pois comme ceci, j'en ai pris deux paquets, donc voilà. Je crois que c'était 30 centimes, 29 centimes, un truc comme ça. J'ai pris courgette, j'ai pris poireau, j'ai pris chou, comme ça aussi. Ensuite, j'ai pris ça, je sais pas c'est quoi, c'est de la roquette, ok. J'ai pris Mistel salade, je ne sais pas quoi. Ils sont tous au même prix. J'ai pris tomate comme ça allongée. J'ai pris carotte nain. C'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais je ne sais pas si c'est des carottes nain. J'ai pris des fleurs pour ma soeur. J'aurais dû prendre plus. J'ai pris un chou. J'ai pris aussi ça pour ma soeur. Et j'ai pris encore poireau. Quand c'est en double, ça veut dire qu'il y en a pour mon père aussi et ma mère, parce que mon père, il aime bien faire son petit jardin dans son coin. Ensuite, je vais prendre un ciseau pour vous montrer ça. Franchement, ça, c'est du top. J'ai acheté ceci chez Lidl à 4 euros et quelques ou 5 euros. Je ne me rappelle plus les filles. Donc voilà, j'en ai pris deux. Donc ça, il y a une pochette, il y a les instructions dedans, et voilà. Bon, c'est un couteau,
pour voyager, pour être gardé dans votre voiture, dans votre sac à main, je pense, hein, c'est pas interdit. Donc dedans, on va commencer. Il y a une fourchette, il y a une cuillère. Voilà. Quand vous ouvrez les deux, ça se détache. Ensuite, attention, hein, il y a un couteau. Donc voilà. Dans celui-là, il y a une petite cuillère pour nettoyer les oreilles et le nez. Voilà. Donc je rigole. Hein. Il y a une petite cuillère, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tout petit. Il y a un ouvre-bouteille. Ou je ne sais pas ce que tu veux. Il y a ça. Et je crois qu'il y a un petit couteau quelque part. Voilà. Et il y a un petit couteau comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi faire ça. Hein. Mais voilà. Et il y en a le couteau comme ça. Donc si tu veux manger, tu fais ça. Bon, je trouve pas ça pratique avoir le cou la cuillère à mettre la main dessus parce qu'après tu vas le mettre dans ta bouche. Mais bon, t'as qu'à laver ta main avant de manger. Ça. Ça. Et après tu manges. Ok? Donc t'as ta main sur la cuillère. Tu coupes. Voilà. Et si tu veux le faire rentrer, ben, tu dois faire ça avant. Ah, mais tu dois faire ça avant. Après, tu fermes. Après, tu fermes et c'est fermé. Et après, tu le mets dans ta petite sacoche. Bon, ça, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà vérifié. Est-ce que c'est pratique ou pas? Oui. Attends, dans quel sens que je vais le mettre? Ah mince, je l'ai mal fermé, les enfants. Attendez. Voilà. Ok. Maintenant, je ferme. Et je ferme. Donc, vérifiez bien que vous l'ayez. Pourquoi il n'y a pas quelque chose au fond, quoi? En direct, hein, je teste avec vous. Là. Donc là, c'est fait. Voilà. C'est comme ceci. Et là, vous mettez ça dans votre sac. Vous pouvez l'accrocher ici. Tout dépend où vous allez. Hein. Si c'est en randonnée, donc vous l'attachez ici comme vous voulez. Donc, je ne vois pas le but, mais je préfère le mettre dans mon sac. Donc voilà, les enfants. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Non. Donc j'ai reçu ça aussi par Mélanie. Sympa. Donc voilà, les enfants. Ben oui. Hein. Donc c'est tout pour la vidéo. Donc je vous dis, elle n'est pas longue. Hein. Donc je vous dis à la prochaine. Comme on dit, profitez, prenez soin de vos parents. On partage tout ce qu'il y a à partager dans la bonne humeur. Et je vous dis à bientôt. Bye.